bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul nose du 12 août 2019 et action. Donc du loisir créatif et du loisir créatif. Que du loisir créatif. Il n'y a pas de beauté, je crois pas. Je l'ai pas vu. Non, j'ai pas vu de beauté. Non. Un truc en beauté, donc. Je vais commencer par nose. Je vais commencer par de la marque Artemio à 1,20€. Alors cela c'est pour on peut tamponner dessus. Donc c'est des rubans qui font 30 mm x 5 mètres. Voilà, 1,20€ de chez Dose. Je trouvais que ça valait le coup. Il y en a plusieurs. Voilà. Ça s'est arrangé. Ensuite, de la marque Momenta. 99 centimes. Ces pochoirs-ci. Alors, je vais vous voir là plutôt. Donc, il y a marqué Family, XO, Beautiful, Hope, Hello, Dream, Hi, Smile, Thankful, Together, Believe, Live, Moment. Moments, love. J'aimais bien. Un pochoir comme ça qui va rejoindre les copains, les pochoirs. Faut que je le range. Ensuite, on va passer après au Artemio. Ah oui, j'avais pris ça aussi. Des petits vernis. À 79 centimes. J'en avais repris. J'aime bien. À 60 centimes, je crois que c'était. Oui, 50 centimes. Une pochette, la Reine des Neiges, vous savez que j'adore tout ce qui est Disney, donc voilà. Une belle pochette dedans, la Reine des Neiges, avec Elsa dedans. Est-ce qu'on la voit? Voilà, là, voilà. Donc 50 centimes, ça va, pour la Reine des Neiges, ça me plaît bien. Elle est trop belle cette pochette, j'adore. Voilà, ensuite après c'est que des moules, c'est ça, que des moules. Alors, ce moule-ci qui est plus pour Noël. Donc c'est un moule, on punch un peu. Puis ça fait. Ils disent quoi? Ils appellent ça comment? Ils appellent ça pas du tout parce qu'il n'y a pas de. Bon, 30 centimes. Ils disent que c'est pour la pâte à sucre et tout ça, mais moi je vais faire autre chose. Voilà, un moule comme ça. Voilà. On voit bien. Et 30 centimes. Voilà pour ça. Les moules, on va les ranger après. Ensuite, à 50 centimes, des moules comme ça. Donc, ils disent que c'est pour la pâte à sucre. Mais moi, je vais essayer avec ma Fimo. En faisant une fine pâte de Fimo, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, c'est une bordure de la marque Wilton. Diamant. Oui, donc ils disent quoi en français? Ils disent rien en français. Retirez le capuchon en silicone et séparez les deux parties du poinçon. La partie inférieure est plus petite, plate, et elle va dans la base de la perforatrice. La partie supérieure est plus profonde et elle va dans le haut de la perforatrice. Saupoudrez les deux parties d'un peu d'amidon de maïs ou de sucre à glacer. J'ai des coupes de sucre, découpage de pastillage, moitié fondant, machin. Avant la première réduction, il faut essuyer la perforatrice avec un linge humide. Faut pas l'immerger dans l'eau, ne pas mettre au lave-vaisselle. Laver les poinçons à la main dans l'eau chaude savonneuse. Donc ouais. Donc je trouvais ça mignon. Voilà, 50 centimes. Ensuite j'ai pris celui-ci. Butterfly, 50 centimes. L'étoile, 50 centimes. La feuille. C'est l'étoile, hein. Non, c'est le rayon de soleil plutôt. Soleil plutôt. Donc ça c'est le soleil. Et ça c'est la feuille. C'est écrit en espagnol. Si je me trompe pas. Ça c'est cercle multicouche. Voilà. Et là par contre c'est un peu plus. Non, c'était 75 centimes. Donc c'est pareil, c'est des inserts, donc moi je m'en servais pour ma Fimo.
falloir que je les mette dans les trucs. Et ça, c'est les cœurs. Voilà. Et c'est 75 centimes pareil. Dans les trois pièces. Et j'ai trouvé ce petit lapin pour Pâques. Alors est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, on le voit un peu. Voilà. Petit lapin pour Pâques. À 30 centimes. Voilà pour ça. Donc ça va, ça j'avais les prix. Le Action, je suis pas sûre d'avoir les prix. Je me rappelle, ça c'était 99 centimes. Ou 1,99. Alors là, je me rappelle pas. Donc voilà. Pas vous éblouir, voilà. Voilà, avec deux photos, machin, j'ai trouvé ça trop mignon. Il fait 2 x 10 x 15 cm. Je crois que c'était 99 centimes ou 1,99. Je ne me rappelle plus, mais c'était pas cher. Ça, c'était la semaine de la promo, donc c'était à 1,99, je crois. Donc je voulais essayer ça, ce kit-là. Pour faire le petit toucan. Aloha. J'aime bien cette phrase. Donc oui, ça, c'était pas très cher. Ensuite. Des piles, des fois ça peut servir, voilà, ça je me rappelle plus du prix de quelque chose. Ensuite, alors en bas j'en ai pris deux sortes, j'ai pris celle-ci, voilà, ça c'est 99 centimes les deux. Et j'ai pris celle-ci, voilà, ça c'est pour les barrettes. Des limes, j'en ai repris, voilà. Motif simple. Ça c'est 99 centimes, il me semble, ou 69 centimes. Les pen markers, ils étaient en promo cette semaine, là ils étaient à 3,90 je crois. Et du coup j'ai pris ces couleurs là, que j'avais pas pris l'autre fois. Voilà. Ensuite, je me dépêche. Ensuite, j'ai pris ces petits écureuils pour il y a plein de couleurs, il y a du vert, du orange, du marron et du rouge. Il y en a, je ne sais pas combien de pièces, 10 pièces, mélange d'automne, 2 à chaque fois je crois. Voilà, voilà. Donc ça c'était, je ne me rappelle plus. 99 centimes ou moins, je même. J'ai pris ce die-ci. Les die-ci, où je les ai foutus. Dans la pochette en bas. Comme ça. Voilà. J'ai pris cette colle-ci. Donc, c'est la glue. Qu'est-ce qu'il y a marqué en français? Colle forte. Universelle transparente. Papier, carton, pierre. Vert et divers matériaux synthétiques. Colle à base de solvant peut attaquer les matériaux laqués. Les taches peuvent être éliminées avec de l'acétone. Voilà, bon, bah, pas pour les enfants. Donc ça c'était, je sais plus combien. Ça c'était 99 centimes, donc je vous le fais voir plus près. Si vous voulez un code, voilà. Du masking tape, ça devait être 80 centimes. Avec les taches, j'ai bien aimé. Le mot greet, hello, les petites étoiles, et voilà. Et ceci, j'ai pris celui-là parce qu'il n'y avait pas celui-là que je voulais. Mais celui-là, il est pas mal quand même. Il y en a combien? Self-adhésif, feuille de sentiment auto-adhésif. Ils ne disent pas combien de mettre. Non, mais il y en a un bon paquet quand même. Hein. Comme on peut voir. Voilà. Ça, je crois que c'est 94 centimes. Il me semble. Voilà pour mon haul Action et Nose du 12 août. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.